Bienvenue à vous dans ce tout nouvel épisode Custom Map Zombie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite map à thème. Une map zombie version Minecraft. Et c'est tout simplement faire avec de World at War, Black Ops 1 et Black Ops 3 qui a été revisité en version Minecraft. En conservant tous les petits easter eggs de la map. Bref, c'est une petite map survie très plaisante. Il y a même l'ajout du pack à punch. Bref, vous verrez tout ça avec cette petite vidéo. Si vous kiffez toujours autant les épisodes Custom Zombie, pensez à liker la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne FlopPixel pour ne pas louper une seule vidéo zombie. Il y a 4 nouvelles vidéos par semaine, donc pensez à activer la cloche des notifications. Et nous, on est parti pour découvrir et se faire cette petite map Minecraft Ferruct sur Black Ops 3. Si vous êtes sur la vidéo qui est sur FlopPixel, oh, ça a manqué. Oh, ça a manqué quand même. Petite map à thème. C'est vrai que quand tu fais un saut après la glissade, ça, j'ai plus l'habitude. Petite map Minecraft. Donc, vous reconnaissez peut-être de quelle map il s'agit. C'est un remake, étant donné que c'est la map Ferruct de Call of Duty World at War. Enfin, de World at War, de Black Ops 1, de Black Ops 3. On l'a eu 3 fois, Ferruct, je crois. En zombie, je parle évidemment. Je parle pas des campagnes multijoueurs, etc. Ferruct réimaginé, version Minecraft. On avait déjà fait Nardern Totten de la sorte. Et voilà, il y a également du coup Ferruct qui est dispo. Du coup, je me suis dit, bah autant la découvrir. C'est une map survie. Donc, le but c'est survivre le plus longtemps. Donc voilà, mais bon, c'est juste hors de la découvrir, se faire une dizaine de manches, faire le tour de la map, voir ce que ça donne comme d'habitude. Juan, je viens de dire zombie uniquement, je parle pas de tous les trucs annexes. Mais voilà, et cette petite map plutôt sympatoche. Salut Spammer également, j'espère que tu vas bien. Mais petite découverte, ça fait tellement... Je suis tellement content de revenir après quasiment un mois sans custom, bordel. C'est... ça m'a tellement manqué, vous imaginez même pas à quel point. Mais bon, il y avait d'autres priorités forcément avec MW3. Mais voilà, enfin je dis ça. Au moins la vidéo sortira sur Flapix TV. Il y aura déjà Black Ops Cold War 2. Voilà, qui sera sorti, j'imagine, je suppose, hein, comme tout le temps. Attends, là c'est bien le quart, vas-y. Si moi je suis un énorme radin. Et voilà. Voilà, Dermon Timoref, vérifie tes messages avant de les envoyer. C'est pas compréhensible là. Oh mon ref, quand même. Quelle heure les gens ne savent pas lire un planning? Tu le sais bien depuis le temps. C'est trop compliqué. Trop compliqué d'aller dans l'onglet programme. Clairement. Hop. Mais donc ouais, pas grand chose à dire plus. Ferruct version Minecraft. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et sur Black Ops 3, hein, je précise qu'on est sur BO3 quand même. Mais voilà, c'est plutôt cool. J'ai l'impression que du coup, il me semble, hein, c'est le créateur de la Nart Minecraft aussi. Faudrait que je vérifie ça, j'ai peut-être pas l'info, mais ça se trouve il va refaire toutes les maps peut-être de World at War en version Minecraft, hein. Peut-être qu'on aura Shino, peut-être qu'on aura Derizeux également par la suite, qui sait. Ou peut-être pas, peut-être c'est juste un délire sur ces deux maps là, je sais pas du tout, je t'avoue. Hop. Et la nuke, le timing, toujours là bien sûr. Merci beaucoup Célure pour le Prime, ça fait plaisir. Merci pour ton soutien. Oh sympa pour Skimmy, pour le Teddy. C'est marrant, c'est mignon comme tout. Moi qui adore Minecraft, de toute façon, les maps Minecraft, je pense que c'est mes maps à thème préférées. Hein. Depuis toujours, dont la merveilleuse cette année, Mineshaft Mysteries, bordel. Des meilleures maps de l'année, très largement aussi. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il va falloir que je commence à bosser la vidéo top 10 des meilleures maps de l'année. Et un custom. Et bon, le quart, tu m'as servi à la manche d'avant, mais je vais pas te mentir que là, mon petit pote, tu vas dégager façon MC. Évidemment. Merci beaucoup, c'est dur, c'est très gentil. Adri, ouais, on l'a fait en stream et du coup c'est sorti en vidéo sur Flapix TV. Encore une fois, je sais pas quand, étant donné que sur Flapix TV il y a 3 épisodes qui sont planifiés par semaine jusqu'à octobre 2024. Et il y a moyen que du coup avec les maps de soir on monte pas loin de novembre 2024. Non, je crois que je dis une connerie, septembre 2024 je crois. Enfin, j'ai pas réussi à aller plus loin que septembre. J'ai pas réussi à atteindre mon objectif, je voulais avant MW3 qu'on arrive à atteindre les 1 an de vidéo custom planifié sur Flapix CV. J'ai échoué malheureusement. J'ai réussi à faire, je crois que c'était 11 mois au moment où on avait un peu stoppé les soirées custom. Smoke, ouais, petit solo pour rattraper un petit peu toutes les maps. Il n'y a pas de grosses maps qui sont sorties récemment, qu'on a fait le retour quasiment sur toutes les maps importantes. Petite soirée solo, chill, tranquille. Tout à fait, j'ai compris ce qu'il y avait écrit à l'écran. Mais si, même le levier, c'est incroyable. Même la boîte, elle est trop stylée, elle est magnifique. Yes, je suis actuellement très ravi. Bref, peut-être aller se prendre des atouts quand même pour survivre un minimum, parce que bon, c'est vrai que ça reste quand même une map assez restreinte, serrée.
Vite me faire coincer, surtout que je dois être rouillé comme pas possible. Hop. Est-ce que les logos d'atout? Ah, c'est le classique, dommage. J'aurais espéré voir les petites potions Minecraft comme sur beaucoup de maps Minecraft. Un peu déçu. Mais bon. De toute façon, ça remplit son taf, hein. C'est. S'il avait dit, c'est faire une version Minecraft. Effectivement, c'est le cas. Bien vu, bien joué. Effectivement. Donc, je pense, voilà, c'est juste histoire de la découvrir, faire un petit tour dessus. Pour voilà, parce que c'est toujours cool de faire des petites présentations de map custom. Et comme d'habitude, de toute façon, c'est le but, hein. C'est pas de faire des airrounds ou quoi à chaque fois sur les petites maps survie. C'est juste les présenter pour donner envie ou non aux gens d'y jouer. Et on a le grand Smoke Dog qui offre 5 subs dès le début du stream. Merci beaucoup pour le sub offert à Bombi, sub offert à SPX, Kiluma, Théos et Gameplay. Merci Bomal pour tous les subgifts, ça fait super plaisir. Merci beaucoup Bomal. On a quand même une Insta, on va le garder pour la prochaine. La petite Insta. Hop. Ah, y'a pas eu loco. Le best qui fait. Bah, ça me paraît bizarre. Je regarderai après la game. Ah, bizarre. Ah, bah, y'a la petite salle ici, forcément. La salle de l'arnaque. Attends, est-ce qu'il a fait en sorte que... Bah ouais, le petit cri, forcément. Ah bah je voulais vérifier, faut qu'on teste de toute façon. Faut toujours tout tester. Surtout quand c'est des maps reprises, hein. Voir s'il a vraiment... Ouais, il a vraiment fait le Ferruct, vraiment, tout comme il faut, quoi. Ah, ok, Mason, c'est... Ok, ça me rassure, alors. Bon, j'ai pas besoin de vérifier. Ça me rassure. Me voilà donc bien rassuré. C'est juste Loco qui commence à être un peu sourd. Ça y est, Loco, t'inquiète pas, on y passe tous, t'en fais pas. Oh, d'ailleurs, comme autre truc à tester sur la map. Faudrait qu'on teste. Est-ce qu'il y a la musique aussi qui a été ajoutée? Déjà, j'aime pas regarder comment t'as fait les chiottes. Ah, il est fait en mode évier. Stylé, il l'a fait vraiment avec le bruit des... Ah, c'est le bruit des boutons, c'est sur Minecraft, si j'ai pas de bêtises. Enfin, les bruits... D'activation, si je peux appeler ça comme ça plutôt. C'est un genre. Comment vas-tu? Ça dépend des maps, Chris. T'as des maps survie, t'as des maps challenge, t'as des maps secrètes, t'as des maps. T'as tout. Ça dépend vraiment, vraiment des maps. Hop. Toujours pas la fin de manche? Je vais peut-être me prendre la STG plutôt. Oh bah non! On va se mettre à la Thompson! Ah, hey, il a mis mieux le kick aussi. On essaie de voir si une limite de perk ou non. Ah, il a pas fait en mode mur ici. Il a fait en mode vraiment barricade. C'est du flow 71. Comment est-ce qu'il va celui-là? C'est bon mal. Comment il va lui? Ah, bah tiens. Ça carrément pour prendre passe-passe après. Et possiblement mieux kick si on n'a pas de limite d'atout. Un passe-passe, il va commencer à se faire désirer un petit peu, l'optio. Ah bah Wolf, mais c'est Master Race, évidemment. Évidemment. De toute façon, quand t'es fan de zombies, le meilleur truc à avoir littéralement, c'est un PC avec BO3. Pour le custom. Ok. J'ai pas l'impression que c'est la fin de manche, je sais pas où est le dernier. Oh, c'est toi le dernier. Machine de mort, ok. Eh oui, Naxium, petite map custom thème Minecraft. Nanan. Oh, il met pack à punch. Putain, alors ça, si je m'attendais à y voir par contre sur sa map. Ok. Fast Spring World at War, oui, t'en as qui valent le coup, mais quand t'as BO3 à côté avec sa qualité, World at War il se fait bouffer. Il se fait littéralement bouffer, le pauvre. Eh, comment est-ce qu'il va le Clix? Eh, le Clixo. Ah, j'ai pas vu comment il a fait les lustres. J'avais même pas vu. Moi, je veux qu'il y ait une suite à la map Kino Minecraft. Hein. C'est tellement incroyable avec le petit secret tout dessus. C'est un Axiom.
Même sur beaucoup d'aspects, Spring, quand tu regardes juste Vivictis, déjà, c'est... De toute façon, pour moi, je le dis, hein, Vivictis fait partie des 3 meilleures maps custom sorties all time, peu importe le custom zombie. Hein. Je voulais voir, limite d'atout ou pas? Pas de limite d'atout. Bah du coup, on va faire aussi un peu de points pour Pack-a-Punch. Hein. Il est trop beau le Pack-a-Punch. C'est mon Pierre également. Et... Ouais, Vivictis... très 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 largement dans le top 3 des meilleures maps all time du de tous les customs. Ça, je vais essayer de speedrun les petites maps qu'on a à faire, à découvrir pour faire un retour sur Vivictis que j'en vois plus. Derm, je pense que niveau classement personnel, j'ai un peu envie de vous dire que je pense que Vivictis est passé devant les Léviathan. Et c'est vrai qu'il n'y a pas les points devant les atouts. Si vrai, si vrai. Je pense qu'il va y avoir Vivictis. Faudrait que je refasse un top de mes maps custom préférés. Clix, Et je pensais pas qu'un jour Léviathan, mais vraiment, plus j'y pense et plus je... prends le charpentier au cas où si j'arrive à gratter comme ça. J'ai pas assez de sous pour Pack-a-Punch. Merci beaucoup Dragon Rim pour le 19e mois de sub qui fait plaisir. Merci Mbomal. Bézir que. Ya. Yeah. Tout à fait, évidemment. C'est le Burning Soul également. J'espère qu'il va bien. Et comme Meloupion dans le chat, hein, je vous rappelle, si vous avez besoin à chaque fois du lien de téléchargement de la map, on a sur map dans le chat et vous avez le lien pour la télécharger. Voilà. Bah écoutez, en vrai, mon avis ça va être camouflage Putain, j'ai rien dit. En mode comme si ton arme était enchantée. Bah putain. Au vu des logos d'atout, je me suis dit bah le mec il a juste c'est le camouflage par défaut, donc celui de The Giant. Mais stylé par contre. En mode comme si ton arme elle était enchantée quoi, littéralement. Oh, trop cool. Eh, premier degré, j'allais dire, bon, j'imagine, il y a le camouflage Pack-a-Punch de The Giant, le classique, mais même pas. En vrai, ça rend bien, mais bah, c'est ça, complètement. Non, mais j'allais être mauvaise langue, j'ai rien dit, j'allais être un peu mauvaise langue. T'as si, Nope, tu joues comme un équivalent de local. Voilà. Mais non, franchement, clean. Bonne surprise. Ah mais je confonds là pour la strat, mais oui, pour les manches plus rapides. C'est vrai. Bon, projet custom que j'aimerais bien voir un jour, qui reprennent, on va dire, des maps classiques. Ah, c'est le secret de Newton Zombie, hein, Clix, c'est vrai, Ah, je suis trop drôle, t'as vu, hein. Pardon, désolé. Je me déteste. Je me déteste. Non, en vrai, c'est du coup, comme There is a Declassified, mais King of the Totem Declassified, j'adorerais. Et que le mec qui a fait le King of the Totem Minecraft avec le secret, avec les bobines et tout, qu'il fasse ça sur d'autres maps. C'est trop cool, je trouve, comme concept. Désolé, Clique, j'étais obligé, j'ai pas pu m'empêcher, j'y ai pensé. Pendant que j'allais faire la blague, j'étais en mode, oh, attends, j'ai une blague là, elle est bien, oh. C'est lui qui nous va. Merci beaucoup Smoke Dog, les 510 bits dans le chat. Merci Mal, c'est lui également, le grand Fanta. Merci beaucoup Moro pour le 14e mois de sub. Moro. Mort. La mort, c'est pas cool. Merci également Brandon, le 8e mois de sub. Merci beaucoup. Ah mais ça y va, merci pour l'argent. Regardez ça carrément. J'ai plus mon truc jackpot. Merci Brandon, ça fait plaisir. Oh putain, attends, bien que je viens seulement de m'en apercevoir. Attends. Oh putain, j'avais pas fait gaffe. Hop. Ah bien vu. Oui, c'est pour ça que j'ai jamais les pseudos entiers. C'est pour ça. Brandon, bon je peux lire ton prénom en entier quand même, mais voilà quoi. Je t'arrête des screens de ce qui est pas sorti pour Newton, tu auras le seum de fou. Comme moi depuis 2-3 ans. Vas-y, je suis carrément chaud de voir.
putain. Série de vidéos, les cut content du custom zombie. Oh my god. Et merci SmokeDog, encore 500 bits, c'est un petit train de la hype. Merci beaucoup. Attends, un bus plutôt, bus de la hype. Bah attends, attends. Et Bobal, bienvenue à vous dans ce petit bus de la hype. N'hésitez pas à lâcher vos sub-tiers 1, tiers 2, tiers 3, vos sub-prime, parce que c'est gratuit en prime, vos cheers, ou vos sub-offers, bien sûr, pour monter le train de la hype au niveau 2. Il reste que 17%, c'est-à-dire un petit sub. N'hésitez pas, ça fait plaisir. Merci pour le soutien au quotidien. Vous régalez, voilà. C'est un petit message du conducteur du bus. Hein, là, Ici, tu peux... Ouais, Maxime, c'est ça, là, au moins, je peux mettre pause. Ouais, il y a ça. Oh, je peux mettre pause. Non, bon, je pense qu'on va se faire 15 manches en vrai pour la map. Ce sera largement suffisant. Et merci beaucoup, Rafa27, le 7ème mois de sud. Merci, ça fait plaisir. Oh, j'ai pas vu une balle. C'est un qui va me lâcher un. Non ? Ah, ok. Ok, pas de min-max. Bon. Bon, on va se faire une boîte, écoutez. On va se faire une boîte qui déboîte. Ouais, Clisson, ce serait intéressant de voir en vrai, c'est tout ce qui avait été un peu prévu et tout. Ou forcément, avec les aléas, changements et tout, forcément, les trucs qui peuvent pas être finalisés. C'est la vie, j'ai envie de te dire. Ouais, je serais curieux. Dans tous les cas, même comme dans l'état actuel, ça reste le remaster le plus fidèle et quali de la map qu'on est actuellement. Et je pense qu'on aura même jamais sur le workshop. Sur le workshop. Toc l'abricot. Oh la infi, qu'est-ce que j'adorais cette arme. J'étais toujours frustré qu'on l'ait jamais eu en mode zombie. C'est Ferrect Burning, c'est Ferrect versus Minecraft. Voilà, ni plus ni moins. Petit coup de pack à punch. Ah, ça rend trop bien le camo, franchement. Petit camo diamant enchanté. Est-ce que connais Minecraft? Il met beaucoup Minecraft, il dort Minecraft. Barknos. Eh bah. Tu peux pas laisser à Tyrone, nous. Eh. Eh, dégage-toi. Malandrin, malotru. C'est Arknos, comment vas-tu? Eh bah nickel, 15 manches. Bon, en vrai, pour une petite découverte review de cette map custom Minecraft Ferrect. Attends, je vais tenter un truc. Ah bah non, y'a même pas d'eau. Nous voilà déçus. Ok, mais voilà, c'est une petite découverte, petite preview. Et puis non, très cool, hein, franchement. Déjà que la Nart était vachement sympa. J'espère qu'on aura Chino un jour.